Pas d'émission, le jeudi 100 pages de sport, bien entendu, dansez-vous sur 20, avec une question, dans quelle discipline trouve-t-on deux clubs alsaciens au plus haut niveau? Réponse, le hockey sur glace, où Mulhouse est promu cette saison en Ligue Magnus et a donc rejoint Strasbourg, vice-champion de France il y a 2 ans. Les deux équipes se jouent 2 fois cette semaine, 2 derbies, les 2 premiers de la saison. Mulhouse a pris l'avantage dans la première manche, remportant mardi soir le match de Coupe de la Ligue à Strasbourg. Les deux équipes se retrouvent samedi à Mulhouse pour le compte du championnat. Le promu mulhousien aurait-il pris un petit ascendant sur son homologue strasbourgeois? Regardez. En tout cas, cette victoire mulhousienne à Strasbourg, mardi soir en Coupe de la Ligue, a mis les Orinois en confiance. Menés 3-1, les Scorpions ont trouvé les ressources pour revenir à 3 partout, puis pour s'imposer au but en or durant la prolongation. C'était important de faire bonne impression aujourd'hui ici, de prendre nos marques par rapport à eux et de leur montrer qu'on va être là samedi aussi. Chaque match est unique et propre à lui-même, mais va falloir être là aussi samedi. Mais c'est vrai que ça nous donne confiance pour la suite. D'autant plus de confiance que les Mulhousiens avaient aussi remporté un match amical entre les deux équipes il y a 3 semaines. Mais pas de quoi plomber le moral des Strasbourgeois, selon leur entraîneur. Si je commence à me dire, oui, mais le problème, c'est qu'on a perdu 2 matchs contre Mulhouse, donc la confiance n'est pas très bonne contre eux. Non, je pense que les joueurs sont assez intelligents pour comprendre qu'ils ont eu suffisamment d'occasions pour se dire qu'on est capable de battre Mulhouse. Des occasions, mais pas assez de buts, c'est le problème de l'Étoile Noire dans ce début de saison. Battus par Caen 3-0 sur leur glace lors de la première journée de championnat, les Barinois comptent aussi 2 défaites en coupe et courent toujours après leur première victoire. On n'a pas encore beaucoup d'efficacité dans nos tirs, on en fait beaucoup. On est dangereux, on les prend d'endroits quand même qui pourraient éventuellement faire mal. Mais ça ne veut pas rentrer. Ça roule, en revanche, dans le camp d'en face. Une victoire en championnat, une en coupe. Le promu mulhousien continue de surprendre pour son retour parmi l'élite. Nous, on essaie de gagner tous les matchs, derby ou non. Et tant qu'on veut proposer les spectacles et progresser dans les groupes, parce qu'on a un groupe très immature dans ces niveaux. On n'a pas beaucoup de joueurs qui ont joué à ce niveau ou dans ce championnat à Vaughan. Les deux équipes sont en tout cas d'accord sur un point. La Coupe de la Ligue n'est pas un objectif de leur saison. Le vrai derby, celui qui compte, c'est bien celui de samedi en championnat. Mulhouse, Strasbourg, acte 2, c'est donc ce samedi à la patinoire de Lilleberg à Mulhouse. Si vous voulez y aller, et je vous le conseille, allez acheter vos places à l'avance, hein, en tout cas, ou venez très tôt à la patinoire parce que ça s'annonce complet. De chez complet, c'est